ça donne. Et nous voulons que tu prennes possession de ce temps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom. Amen. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent en direct partout dans le monde. Nous prenons Deutéronome chapitre 1er. Je sais que nous allons beaucoup lire. Mais aujourd'hui, je ne serai pas long. Parce que c'est le début de la marche. Deutéronome chapitre 1er, verset 2. Deutéronome chapitre 1er, verset 2, il est écrit. Il y a 11 journées depuis Horeb par le chemin de la montagne de Seir jusqu'à Kadesh Barnéa. Nombre chapitre 13. Nous commençons la lecture à partir du verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Cana. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, si il en est en petit ou en grand nombre, c'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, c'est que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. C'est que les terrains, s'il est grand ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point.
Ayez bon courage et prenez le fruit du pays. C'était le temps du premier raisin. Deutéronome chapitre 2, verset 14. Deutéronome 2, 14, il est écrit: le temps que durèrent nos marches de Kadesh Barnéa au passage du torrent des Eretz fut de 38 ans jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre ait disparu du milieu du camp comme l'Éternel ne leur avait juré. Kino tokoma kina ikeke ya bato ya bitumba ebungaki na kati na molako lolenge kolo alobaki pala pakindai. Ephésiens chapitre 3. Buku na Ephésiens moka pamisato. On termine la lecture par le verset 18. Tokosi sitaki na mokapo ya zomi na libwa. Et que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse. Oui, très heureux parce qu'il nous a agréés. Il a permis que nous soyons là ce matin. J'ai toujours dit, chaque jour devant la présence du Seigneur, c'est pour notre bien. J'aimerais que vous me suivez parce que j'introduis aujourd'hui Kadesh Barnéa. Et chacun de nous comprendra la pensée du Seigneur. S'il vous plaît, regardez-moi et suivez-moi avec beaucoup d'attention. Israël quitte l'Égypte. La destination, c'est Cana. S'il vous plaît, technique, parlez doucement. Égypte, Cana. Je ne veux pas devenir sur tout ce que j'ai enseigné. C'est comme, parce que bien aimé Paul dit que ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. De même qu'Israël a quitté l'Égypte pour Cana, ceci correspond à notre marche du monde jusqu'au ciel. Oui, parce que c'est l'agneau qui a inauguré la marche de l'Égypte. Mais entre l'Égypte et Cana, il y a un désert. Et dans ce désert, il y a plusieurs déserts. C'est ce que nous ne comprenons pas. Comment Dieu est descendu dans le monde, il nous a sauvés. Il est mort à la croix de Golgotha. C'était facile de nous prendre directement, nous ramener au ciel. Mais pourquoi encore le désert? Si nous voulons étudier Kadesh Barnéa, un point très important, je l'ai introduit le jeudi. Bien que nous sommes sauvés, mais avant d'arriver au ciel, il y a le désert qui nous attend. Et pourquoi ce désert? Parce que Dieu connaît que les gens qui sont sauvés ont encore besoin d'apprendre beaucoup de choses de lui. Avant de commencer mon enseignement, je dois vous rappeler, la vie chrétienne, c'est une vie très difficile si nous voulons marcher dans nos propres sentiments, dans nos propres émotions, parce que Dieu ne sera pas conduit par nos sentiments, mais Dieu restera Dieu de sa parole. Mais c'est vaste désert. Nous ne voyons rien.
Nous ne comprenons rien. C'est ça la vie chrétienne. Et Dieu ne pouvait pas apprendre à Israël comment combattre en Égypte, mais il les a amenés dans le désert pour apprendre tout, la loi, la conquête, tout dans le désert. C'est ça l'enseignement et c'est ça la vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse. Ah. Il y a des fois, nous échouons, c'est parce que nous croyons que si on a reçu la parole directement, c'est Cana, alors que le désert nous attend. Et dans ce désert, il y a plusieurs déserts. Quand l'homme se trouve dans ce corps, quelle que soit la grâce qu'il peut avoir, s'il n'est pas bien enseigné, s'il ne comprend pas les voies de Dieu, il va mourir dans le désert. Amen. Amen. Israël s'est dit un jour, Dieu est avec nous, on va les combattre, prenons l'arche. Ils ont pris l'arche, on les a bâtis avec leurs propres âges. Samuel était un prophète de Dieu, mais il s'est trompé aussi. Celui-ci c'était un homme de... C'est le roi, Dieu le nom. C'est-à-dire que la chair, c'est la faiblesse. On a besoin d'apprendre et de comprendre Dieu dans les moindres détails. Voilà pourquoi Kadesh Barnea. Je vous en prie de me suivre. Vous êtes? Vous êtes? Faisons une petite étude. Quitter l'Égypte, il y a eu un arrêt important, c'était Sinaï. Si vous comptez les campements, dans Nombre chapitre 33, vous allez remarquer que Sinaï c'était le 11e campement. Donc, de l'Égypte de Ramsès jusqu'à Sinaï, ils ont fait 3 mois. Ils sont arrivés dans Sinaï. Le 3e mois, Exode chapitre 19, verset 1er jusqu'au 2e verset. Mais pour quitter Sinaï, ils ont quitté Sinaï 20e jour du 2e mois et la 2e année. C'est-à-dire la Sinaï, ils ont fait presque une année. Mais Israël a fait combien d'années dans la marche avant d'entrer dans Canaan? Combien d'années? 28 ans. Non, combien d'années? 40 ans. Maintenant, de l'Égypte jusqu'à Sinaï, ça fait 3 mois, n'est-ce pas? Mais ils ont quitté Sinaï. 11e jour. Sinaï, c'était 11e campement. Sinaï et Zaraki étaient le meilleur jour. 11e jour. Ils arrivent dans Kadesh. Suivez, très simple. Et vous en arrivé à Kadesh Barnea. Le 11e jour. Mais ils ont quitté Kadesh Barnea 38 ans après. Arrivé à Kadesh Barnea, c'était 11e jour. Mais départ de Kadesh Barnea 38 ans après. Ça veut dire quelque chose. Oh là là, je reprends. Ils sont arrivés à Kadesh Barnea 11e jour. Ils ont quitté Kadesh Barnea 38 ans. Donc, quand vous ajoutez une année ici, c'est que plus 38 ans, ça fait 39 ans. Donc, 40e année, c'est le chemin de Kadesh Barnea jusqu'à Canaan. C'est-à-dire que Kadesh Barnea, c'était pas long. Ce qu'ils ont fait comme ça, arrivés dans Kadesh Barnea, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés dans Kadesh Barnea, ils ont contourné
Ça fait 38 ans. Et après 38 ans, ils arrivaient encore à Kadès Barnea. Et Dieu dit cette fois-ci, montez. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication. Donc nous devons comprendre Kadès Barnea. Parce que c'est ici le point important et essentiel. Donc, si Israël a fait 40 ans, c'était pas 40 ans de l'Égypte jusqu'à Cana. Mais ils ont contourné Kadès Barnea 38 ans. Dans 40 ans là, vous vous enlevez les 38 ans, ça reste seulement 200. Maintenant, nous devons comprendre les 38 ans là de Kadès Barnea. Parce que cela nous est important. Voilà des choses que nous allons étudier. Est-ce que tout le monde a compris le texte? Tout le monde a compris le texte. Suivez. Voilà. Première des choses que nous voulons étudier dans Kadès Barnea, c'est quoi? Et Kadès Barnea signifie quoi? Après 11 jours de Sinaï, ils sont arrivés dans Kadès Barnea. Première des choses, retenez ça bien. Moïse choisit les 12 espions. Pourquoi les 12? Parce que les 12 représentaient les 12 tribus d'Israël. Voilà. Il dit, je vous envoie dans le pays de Cana. J'aime la précision que Moïse donne. Explorez le pays. Vérifiez le pays. S'il est grand, s'il est petit, s'il y a des arbres, s'il n'y en a pas, vérifiez la longueur, vérifiez la largeur, vérifiez Cana, parce que nous voulons entrer dans Cana. Maintenant, les 12 doivent monter, vérifier, et au retour, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont expliquer à Israël ce qu'ils ont vu. Amen. Amen. C'est-à-dire, en quelque sorte, selon Chroniques 16:16, la promesse que Dieu a faite à Abraham, le serment qu'il a établi à Isaac, la loi qu'il a donnée à Jacob, c'était de donner à Israël le pays. Et dans Exode chapitre 3, verset 8 jusqu'à 10e verset, Dieu a dit ceci: je vis, j'ai attendu, je suis descendu pour délivrer mon peuple et l'amener dans le pays que vous voulez. Donc, pour Israël, quand il marchait, les rêves, c'était quoi? Cana. Nous partons où? Cana. Il peut manger, mais la nourriture ne suffit pas. Cana. Donc, sur la terre, Dieu peut nous donner des voitures, des mariages, l'argent, mais cela n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le ciel. Parce que ce qu'il nous a promis, c'est le ciel. Ce qu'il nous a promis, c'est Cana. Donc, tout ce que Dieu a parlé là, c'était pour Cana. Et il pouvait dormir, ressusciter, se réveiller Cana. Mais arrivé à Kadès Barnea, ce ne sont plus des choses qu'ils ont attendues. On n'a plus besoin de promesses. On a besoin de voir et de palper. Donc ici, si docteur Jean-Jacques va nous enseigner à Kadès Barnea, Cana,
C'est la doctrine des apôtres.
peut monter alors. Mais quand les 12 sont rentrés, ils ont parlé comme un seul homme. Les messages de 10 ont fait quoi? Nous devons rentrer en Égypte. Parce que les 10 n'ont pas trompé, comme disent les gens du groupe de prière. Ils ont dit vrai. Cana, c'est un bon pays. Il y a de fruits. En tout cas, c'est un bon pays. Parce que celui qui fait rapport de Cana ne doit pas seulement parler, mais doit nous montrer aussi les fruits. Toi, tu es pasteur. Tu nous fais les rapports. Mais après les rapports, où sont les fruits? Tu dois être l'explication des choses que tu as vues. Un pasteur païen. Qu'est-ce qu'il va m'enseigner? Il a vu quoi? Là, je savais qu'il n'aura pas des amens. J'ai dit au ministre de Dieu, frère Paul, quelque part, il a renoncé à ses droits de prédicateur pour que le ministère ne soit pas un sujet de blanc. Je peux prêcher, je refuse Galates 6. C'est aussi la marche. Je suis contre les pasteurs, ils prêchent. Non. Le ministère deviendrait un sujet de blâme. C'est ce qui a poussé les autres d'aller faire la politique, d'aller faire ceci, cela. Ne confondez pas les ministères avec ces choses-là. Ne confondez pas les ministères avec la gloire. Le ministère, ce n'est pas ce que le monde définit. Parce que le monde définit le ministère comme si tu es ministre, on apporte la valise. En fait, non, ça, c'est pas ça le ministère. Frère Paul dit que je suis ministre plus que eux, par les travaux, par des jeûnes, par des souffrances. Donc, on peut être ministre, mais on accepte aussi la souffrance pour que Christ soit formé dans les cœurs des gens. Est-ce que vous m'entendez? C'est-à-dire que le ministère, c'est pas seulement de parler. Je veux vous expliquer. J'étais au ciel. Le peuple attend, mais il a aussi besoin de voir le ciel. Les gens qui sont sauvés, un pasteur qui n'est pas sauvé ne sauvera pas aussi le pays. Je vous ai toujours dit, à la croix des brigands, sauve-toi toi-même et tu nous sauveras. Mais moi, tu n'es pas sauvé, comment est-ce que tu vas nous sauver? Comme on a fait le débat, le pasteur peut faire la politique, la politique à Jéhovah. C'est blague. Les pierres ont dit que il n'est pas bon que nous nous servons le ministère de la parole et la table. Même dans l'église. La charge de distribuer l'argent, c'est très difficile. Alors, devenir ministre, là c'est bon, devenir qui député, bourgmestre, c'est que quelqu'un a pour moi. Ça n'a rien à voir avec le ministère. Nous aurons le temps de prier quand? Nous aurons le temps là où? Quand? Retournons là-bas. Vous y êtes? Vous allez supporter ce message. C'est bien dire, mais supporter quand même. Amen. Dix ont dit, nous ne pouvons pas entrer. Les deux ont dit, si le Seigneur est avec nous, nous allons entrer. C'est-à-dire qu'au retour, il y a eu 10 qui sont allés d'un côté et les deux ont interprété les 10. C'est-à-dire que si Moïse a donné 10 commandements, et la loi de Moïse était capable de nous faire entrer dans les ciels, mais Christ est venu avec l'amour de Dieu et l'amour du prochain, qui ne contredit pas les 10, mais qui est l'explication des 10 pour nous faire entrer dans les ciels. L'évangile. Je peux continuer? Alors nous avons compris que Kadesh Barnea, c'est l'allée des espions et c'est le retour des espions. Voilà premier enseignement. Retenez, dans Kadesh Barnea 1, nous allons étudier l'envoi des 12 espions. Ça c'est l'arrivée. Dans l'arrivée, on a envoyé les 12 espions. Deuxième des choses, nous allions étudier l'errance
de 38 ans. De 38 ans. Et troisième des choses, nous allons étudier le départ de Cana. Oh, c'est très important. C'est comme si maintenant. Mon cœur brûle pour expliquer les trucs. Donc, Kadesh Barnea, c'est l'arrivée et c'est le départ. C'est-à-dire quoi? Quand nous sommes arrivés dans Sinaï comme 11e campement, Dieu nous a donné la connaissance. Parce que Sinaï, c'est la connaissance. Mais tout ce qu'on a reçu comme connaissance doit être expérimenté. Je vais parler ça d'une manière très simple. Pour que tout le monde me comprenne. Prophète Jambi, les chiffres vont faire quoi ici? Pourquoi vous dites que Sinaï c'est 11e? Et après 11 jours c'est Kadesh Barnea. Ça signifie quoi 11-11? C'est très important. Quand Jacob a eu des enfants, Ruben, Simeon, Lévi, Juda, arrivé à Joseph, Joseph était 11e. Joseph était 11e. Arrivé à 11e, Léa. On rentre. C'est-à-dire la naissance de Joseph a ouvert les yeux à Jacob que je ne continuerai plus à rester esclave. C'est-à-dire que Joseph c'est la connaissance. Alors que ces enfants là étaient le campement pour Jacob. Arrivé à 11e, il a eu la connaissance. C'est-à-dire que Sinaï, c'est le lieu de la connaissance. Mais cette connaissance là ne restera pas connaissance. Il faut que cela devienne vie. Voilà pourquoi de Sinaï jusqu'à Kadesh Barnea, il y a 11 journées de marche. Donc, il y a 11. Amen. Amen. Les prophètes ont dit ceci. Des choses que nous avons vues, attendues, palpées. Ce sont des choses que nous prêchons. Donc la connaissance va nous donner la vie si elle devient pratique. Si la connaissance reste seulement comme répétition, ça ne va pas nous donner la vie. Amen. Est-ce que tout le monde me suit? Tout le monde me comprend? Maintenant nous comprenons que Kadesh Barnea, c'est là que Israël arrive. C'est-à-dire que dans l'arrivée, il y a les 12 espions qui sont partis. Et ils ont fait un rapport. Je vais vous exhorter parce que je dis qu'aujourd'hui, je ne serai pas long. La marche, le reste de la marche, n'est pas de la compréhension que nous avons de Dieu. La façon que nous comprenons Dieu déterminera notre marche vers le ciel. Il y a des gens qui écoutent la connaissance, mais quand vous regardez leur vie, il n'y a rien. Il n'a pas compris Dieu. Amen. Nous avons vu des prédicateurs, ils prêchent des révélations, mais sa vie contredit l'enseignement. Il n'a pas compris Dieu. Comprendre Dieu, ce ne sont pas des récitations. Comprendre Dieu, c'est la pratique que nous mettons de cette connaissance dans notre vie. Voilà pourquoi Salomon dit, il est beau aux yeux de voir la lumière. Mais il est agréable aux yeux aussi de voir le soleil. Ça dit que dans la lumière, on a besoin d'être dirigé par le soleil. Donc si vous avez la
révélation. Et cette révélation ne vous dirige pas. Vous avez vu seulement la lumière, pas le soleil. C'est le soleil qui conduit la lumière. Amen. 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 Celui qui n'a pas compris. Jésus. Ça produit quoi dans ta vie? Rien. C'est que tu as vu la lumière et tu n'as pas vu le soleil. Donc celui qui dirige, c'est le soleil. Non, la lumière, c'est ma comme ça. Je veux que ce message touche votre cœur. Amen. Retournons s'il vous plaît. Dans Kadesh Barnea, quand les messagers sont rentrés, Cana c'est un bon pays. Amen. Amen. Cana, il y a des fruits. Amen. Amen. Cana, il y a des montagnes. Amen. Amen. Cana, il y a la vallée. Amen. Amen. C'est un bon pays. Où le lait et le miel. Amen. Amen. Et nous avons vu des géants. Hein? Cana. Cana. Bénédiction. Cana n'est pas bon. Cana. Cana. Les fruits. Boma. L'élévation. Boma. Cana. Cana. Le lait et le miel. C'est ce que Dieu avait dit. Alléluia. Amen. Non, compte des ennemis. Et ce qui a terrifié les enfants d'Israël. Oh, il pense qui combat la main d'Israël. Là, on monte quelques degrés. Ah, tout va d'abord, ok. Quand ils ont entendu les fils d'Anak. Les géants. Bambinga. Oh, les fils d'Anak. Bananaka. Habitaient Hébron. Hébron, c'est là où Abraham acheta le château de Macpéla. C'est-à-dire que si nous retournons dans Cana, parce qu'il y a un Macpéla. Mais ce Macpéla-là, il y a encore des ennemis. Voilà pourquoi quand ils sont arrivés là, Jida pose la question. Il dit Josué, donne-moi Hébron. Parce qu'on a appris qu'il y a des Anakim là. Il y a des géants là. J'ai encore la force. Quand j'étais jeune, quand j'étais espion, j'avais la force d'entrer et de sortir. Je garde cette force aujourd'hui. Le géant qui a terrifié le prophète. Abraham n'a pas résisté. Les prophètes n'ont pas résisté. Mais il y a un Juda, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui était capable d'affronter la mort. David, avec qui Goliath par l'épée de Goliath. Donc Goliath avait son épée qui faisait terrifier tous les enfants d'Israël. Mais quand David l'a fait tomber, c'était par l'épée de Goliath qui a tué Goliath. Mais pourquoi Jésus-Christ meurt à la croix? Parce que la mort, c'était la force entre les mains du diable. Mais Jésus-Christ, pour triompher, il a vaincu la mort par la mort. Il a vaincu le diable par la mort. Donc quand il meurt à la croix, c'est notre victoire. Vous connaissez ça? Amen. Amen. C'est-à-dire, en réalité, la compréhension. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, je ne suis pas lent. Je vais m'arrêter là. Écoutez-moi. Les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans la vie chrétienne, cela s'explique par la compréhension de Dieu que nous avons. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le fruit de la décision que vous avez prise. Les mariages que vous êtes engagés, les voyages que vous avez faits, les business que tu fais. Maintenant, si les gens comprennent Dieu mal, le reste de la marche sera difficile. Qui que vous soyez. Amen. Voilà ce que Jésus-Christ fait.
Voilà ce qu'il fait. Parce que je veux expliquer ça. Suivez-moi, je vous en prie. De l'Égypte jusqu'à Kadès Barnéa, Israël avançait. Il marchait comme ça. La colonne du feu est là. Mais quand ils ont mal compris le message, à la place d'avancer, ils ont commencé à faire ça. Ils ont commencé à faire ça. Et Dieu a permis qu'ils fassent ça. Jusqu'au point du départ, c'est alors que Dieu dit ok, maintenant avancez. Donc dans la marche, avec Dieu, on peut aller tout droit. Maintenant, les contours, ça ne dépend de la compréhension que nous avons du message. Quelle importance de ces grandes révélations que Dieu nous donne. Dieu a dit quoi? 70 semaines. Les campements, Kadès Barnéa, de Gabon à Jérusalem, le premier Adam. Mais pourquoi Dieu nous envoie de tels messages? C'est pour qu'on fasse le débat avec les Bitulubu. C'est pour injurier les autres églises. Dieu nous envoie des messages. Pour qu'on fasse quoi? Nous sommes les saints. Plus que les autres? Non. Dieu a envoyé les messages pour que vous compreniez comment marcher avec nous. Et que votre marche soit différente des autres. Comment vous avez la sagesse? Mais cette sagesse n'a rien construit en toi. Je venais d'enseigner des Gabara à Jérusalem à Kipit. Mais quand Salomon est devenu sage, il n'a pas commencé à inviter les gens. Venez me voir, je suis sage. Non. Il a commencé à construire sa ville. Et après la construction, les gens ont appris la sagesse. Mais cette sagesse qui ne construit rien dans toi, c'est quelle sagesse? La parole doit tout d'abord construire ta vie. Et quand le monde te verra, il comprendra réellement que cet homme a reçu la sagesse de Dieu. Mais pourquoi de grandes révélations? Si ces révélations ne nous poussent pas de marcher comme Dieu. Combien de personnes contournent? Tu es conscient. Si tu marches droit, où les choses deviennent difficiles. Tu as essayé ça. Tu as fait ceci. Tu as fait ça. Donc, Kadès Barnéa, c'est pour ramener chacun de nous à l'examen. Et tout ce que Dieu nous a promis. Est-ce qu'on a voyagé selon Dieu? On a pris des engagements selon Dieu? On a fait le business selon Dieu? Là, je savais qu'il n'y aura pas des amens. Il n'y aura pas des amens là. Tout ce qu'on a fait là-bas, c'est selon Dieu. Écoutez-moi très bien. Marcher avec Dieu, si nous ne sommes pas attentifs, on ne comprendra pas. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il nourrit les gens avec les pains. Il a enseigné les gens. Il a enseigné. Les disciples sont venus. Il est déjà tard, non Jésus. Tu continues à prêcher. Renvoie la foule. La foule n'a rien à manger. La nourriture. Oh, Jésus. Tu sais qu'ici, on n'a rien à la caisse. Même la caisse de Jésus aussi avait des problèmes. Amen. Vous voulez que tout marche bien? Selon le monde? Non. L'œuvre de Dieu sera toujours compatible. L'homme aura la facilité de donner là, que, là où il y a la vraie parole. Et supporter ça. Je suis contre les pasteurs. Ils ont l'église à la tour 10. Mais au moment de la Jeep, le rôle à l'église à la tour 1000. Au 14, au 15, à 5. C'est le travail qui produit la bénédiction. Amen. Ça
c'est pas pour moi, je ne voyage plus niveau de mission. Ça, la mission, ça, la mission, 3000 ici, 300 ici. Au commandant, tu as la mission, il faut t'arrêter. Vous avez le côté. Reste là où tu es appelé. 5, 10, travaille, Dieu va te récompenser. Ne comptez pas sur les gens. Ne comptez pas sur les gens. Et ne néglige pas les fidèles que Dieu vous a donnés. Même en tête à Makala. Prie pour lui. Demain, il peut être la bénédiction. On est là pour d'ailleurs, on a passé beaucoup de temps à regarder. Son avec la bande, il y a un bon au bas aux autres, il y a un bon au bas. Amen. Il y a des fois, Dieu nous échappe parce que nous voulons marcher comme. Je fais un enseignement aux athées. C'est-à-dire qu'il faut comprendre le langage de Dieu. On s'en sort avec l'obéliance. Si Dieu ne touche pas le cœur des gens, on va pas si limité ma côté. Je vais et deux. Qu'est-ce qu'on va faire? Si Dieu ne touche pas le cœur des gens, 50 on a peut-être ici. Je donne 2000. C'est un enseignement que Dieu te donne. Essaye de connaître ton cœur. Retournons là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire là, Israël est venu vers Jésus. Jésus a donné le pain. À la fin, il dit ramassez. Ils allaient en tout cas. C'est un roi. Mais demain, Jésus, nous t'avons cherché. Il dit le véritable père, c'est ma chair. Vous voyez comment est-ce que Dieu marche avec les gens? Demain c'était le pain. Aujourd'hui c'est depuis le pain. Ça devient sa chair. Vous qui croyez que Dieu va vous faciliter la tâche tous les jours, non. Dieu facilite aujourd'hui. Demain les choses deviennent difficiles. Parce que Dieu veut traiter l'égoïsme de ton cœur. Amen. 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 Après avoir mangé, si ma bolée, donné le pain, après ça lit pas, j'aime la précision. La ligne il a renvoyé le disciple. Qui prends la barque. Bonsoir. Prends, allez-y. Bokeda. Mais toi tu es resté seul. Je travaille au Mogo. Il est resté seul. À travailler au Mogo. Mais il va traverser de l'autre côté. Comment parce qu'il n'y a qu'une seule barque. Je vous montre comment est-ce que Dieu parle. Amen. Amen. Parce que je veux m'arrêter. Prenez Pierre, Jacques, prenez. Prenez la allez-y. Bonsoir. Mais toi, tu es resté seul. Il a renvoyé les disciples. Il monte sur la montagne. Après avoir donné le pain, il a renvoyé la foule, les apôtres, lui monte sur la montagne. Il est allé prier. Les apôtres ne se posent pas de questions. Comment nous sommes seuls? Jésus-Christ viendra comment? Mais au milieu de la mer, quatrième veille, le vent a commencé à souffler. Quand il s'est posé des questions, Jésus arrive, marcha sur l'eau. Comment est-ce qu'il parle? Mais pour le suivre, Marc dit. Il est dépassé au bon niveau. Il est bon Il voulait les dépasser. Quand ils ont vu, Fantôme. Les gens qui étaient avec Jésus, même jour, mais quand ils marchent sur les eaux, ils ont ignoré que c'était lui. Voyez le campement. Alors qu'il venait pour le secourir. Ils n'ont pas compris que c'est lui. Ils ont
commencé à crier Phaton. Mais qui est ce Phaton? C'est Jésus-Christ là. Qui autrefois, avant la création, il marchait sur les eaux. Parce que tout était dans lui. Mais là, quand il marche sur les eaux, parce que. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Quand il est venu, il a pris son corps. Il donne ça. Israël n'a pas compris. Il prend son église. Allez dans le monde entier. Parce que la mer, c'est ça qu'on montre qu'on soit. Lui montre vers le Père. Mais il dit, je suis avec vous. Dans la tempête, il va quitter la montagne, venir nous secourir partout. Mais il y a des fois. Vous pouvez nous abandonner, mais ce n'est pas l'abandon. Et c'est là où nous ne comprenons pas Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Là où on ne comprend pas Dieu, alors qu'il a pris corps pour venir nous secourir, on a commencé à appeler Phaton. Mais Phaton, c'est lui. Écoute-moi très bien. Dieu. N'est pas obligé de marcher à la même direction que ta vie. Dieu n'est pas obligé de te répondre parce que tu as fait 7 jours dans le jeûne. Dieu n'est pas obligé de te répondre comme tu veux. Parce qu'il a dit, si quelqu'un demande le pain, on lui donnera le pain. Mais on ne peut pas demander, on ne peut pas donner la pierre à celui qui a demandé le pain. Mais celui qui demande la pierre, on ne donnera pas la pierre, on donnera le pain. D'autres prières que nous faisons, ce sont des pierres. Vous demandez de pierre, vous attendez de pierre, il vous répond par le pain. Parce qu'il est l'amour. Je dis aux gens qui traversent des moments difficiles que la réponse de Dieu est douce. Même si nous ne le comprenons pas, parce qu'il peut changer de direction. On peut le voir comme Phaton, mais il est là. Est-ce que tout le monde comprend? Mais pourquoi Jésus-Christ a fait ça? Pourquoi il a permis la tempête? Disons pour terminer. Ne manquez pas mardi parce que on va déchirer Kadesh Barnea. Donc on passe sur la carte de l'année là. Marc chapitre 6. Verset 49. Quand les apôtres l'ont vu marcher sur la mer, ils crurent que c'était un Phaton. Ils poussèrent des cris. C'est là où Dieu nous échappe. Quand ils les voyaient tous, ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla, leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Il n'a pas parlé, mais quand il monte directement, le vent cessa. Des tribulations que nous vivons sur la terre parce que Jésus-Christ n'est pas encore monté dans la barque. Quand il va monter, tout le vent cesse. Il fit en eux-mêmes tout stupéfait. Il reprit d'étonnement. Quand il n'avait pas compris les miracles des pains. Donc, mon nom est celui qui peut m'accompagner, il n'y pâté. Ils n'ont pas compris. Des gens de soi, ça, ils ont compris. Ils ont dit qu'ils n'ont pas compris. Ils ont pas compris. Ils ont compris. Tout cela, Dieu veut que le cœur reconnaisse Dieu. Ah, Salomon. Salomon a péché. Arrête là. Il a construit le temple. Il entre, il dit Seigneur. Si les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir, comment habitera-t-il l'obscurité? Nous sommes avant dans la nuit.
Mais quand Jésus marchait, tu pouvais comprendre que Dieu habite ses corps. Parce que les corps, c'est ça l'obscurité. Quand Dieu donne le soleil, fait lever le soleil, c'est parce que dans la forêt il y a l'obscurité. C'est dans l'obscurité que les lionceaux crient. Les lionceaux crient dans l'obscurité. Et la réponse, c'est le lever du soleil. Ah, mais pourquoi j'en pleurais? Si c'était l'obscurité, le corps, il pleurait. Il a fallu que Dieu lève le soleil. J'en ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Voici le soleil qui s'est levé pour éclairer l'obscurité. L'obscurité, c'est le corps que nous habitons. Ça veut dire que Dieu habitera-t-il l'obscurité? Mais si cette maison que j'ai bâtie, est-ce que Dieu, si les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir, cette maison? Je réponds à Salomon, oui. Pour que Dieu habite la maison, il faut qu'il devienne petit. Oh, le corps de Jésus, c'est ce Malachie a dit, voici l'Éternel qui entre dans sa maison. Parce que le jour du baptême de Jésus, quand la colombe du feu est venue, la colombe est descendue, c'est que Dieu grand est devenu petit pour entrer dans les corps. Maintenant, Salomon ne s'arrête pas là-bas. Il incline mon cœur à comprendre tes voies. Il ne dit pas, enseigne-nous à comprendre tes voies, mais il dit, incline mon cœur. Le cœur de l'homme est orgueilleux. Aussi longtemps que l'homme est sûr de lui-même, de ses études, de ses mentalités, il ne comprendra jamais Dieu. Il verra Dieu toujours comme Fatou. Mais tous les hommes pour nous passer au monde Fatou. Nous avons vraiment mali. Parce que ton cœur ne s'est pas encore humilié. Je veux que ce message humilie nos cœurs. Que chacun de nous comprenne réellement. Il y a d'autres contours dans la vie chrétienne. C'est pas l'affaire de Dieu. C'est nous qui l'avons cherché. Tu as voyagé, tu n'avais pas demandé Dieu. Tu t'es engagé dans les mariages, tu n'as pas demandé Dieu. Quand les choses deviennent difficiles, tous les enfants. On a besoin que nos cœurs soient humiliés. Est-ce que vous voulez cela? Parce que dans la marche, Kadesh Barnea, ne marquez pas, Kadesh Barnea, je ne veux pas terminer comme ça. Non, c'était tout près de Cana. Et ça allait retour, c'était 40 jours. Mais quand les espions sont rentrés, après le contour, Dieu dit, monte vers Cana. Montez. Quand ils allaient passer à côté de Kadesh Barnea, il y a Edom. S'il vous plaît, Edom. Tiens, mon frère. J'ai beaucoup souffert en Égypte. Laissez-moi entrer dans Cana. Edom dit Meka. Allumez la bitumba. Ah! Oui, parce que Dieu connaît ton cœur. Voilà pourquoi il suscite des ennemis. Il suscite des difficultés dans ta vie. Ce n'est pas l'affaire de sorcier. Si les sorciers deviennent difficiles, très forts dans ta vie, parce que Dieu voit que ton cœur n'a pas la repentance. Parce que tu ne comprends pas que dans la marche, tu dois comprendre le mouvement de Dieu. Oui, mais tu ne peux pas entrer dans Cana comme ça parce qu'ici il y a Edom. Vous connaissez Edom? C'est Esaou.
jusqu'ici. Jacob n'est pas bon. Jacob a dit que les awas. Jacob a dit que papa n'a pas de laban. Israël a dit en Égypte, Amalek a dit Jésus. Il a dit que les hommes sont Hérode. Hérode n'a pas de laban. Israël a dit que Aman a dit Aman n'a pas de laban. Yes, il a dit que les hommes sont Hérode. Et avant que vous Hérode. Les gens ont tombé au tic à sauter. Ils ont fait un bandeau à Bouddha pour qui m'a monté. Ils te feront la guerre, mais ils ne te feront pas. Ne dites pas que pourquoi ce combat le combat sera toujours là. Je veux que ce message vous apporte la force. Je veux que ce message vous fortifie. Je veux que ce message vous élève. Je veux que ce message vous fasse entrer dans la pensée de Dieu. Je veux que ce message ôte la mort dans vos cœurs. Je veux que ce message ôte l'incrédulité. Les gens qui t'attendaient, les gens qui ne voyaient pas le chemin droit, que ce message illumine vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Avant de continuer avec la prière, parce que c'est 9h10, nous allons terminer bientôt là, dans quelques minutes. Les intendants mettent les paniers. Nous voulons soutenir l'œuvre de Dieu parce que l'enseignement c'est mardi, mercredi, jeudi, dimanche.